À l'aide de ces loups, on des minéraux, des composés gazeux comme l'oxygène, CO2 et d'autres constituants organiques comme l'airain, l'ADN et ainsi de suite. La vidéo d'aujourd'hui, on va voir de choses. En premier, on va parler du pourcentage de la masse totale de chaque composant de cette cellule. Par exemple, les lipides, les douanières, quel est pourcentage de ces les protéines, quel pourcentage de ces lippides dans cette cellule euh, et maintenant, nous allons les deux grands groupes des de substances, et les, substances euh... les substances organiques les substances inorganiques. Les substances organiques, les substances organiques, les 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 pourcentages de la masse totale de chaque composant. Nous allons quand vous voyez ici sur l'image, l'eau 70%, 70% on l'a déjà dit euh, les protéines 18% c'est mon les lipides 5% comme c'est l'ADN 0,25%, ça ça l'ARN 1,1%, les polyosides 2%, les molécules simples 3%, les molécules simples les acides aminés les la ou les ions 1%. vous voilà les pourcentages des les différents composants de la cellule. Euh, donc, euh, on peut conclure que la cellule est composée de substances organiques et aussi de substances inorganiques. les substances organiques. Les substances organiques, toute substance qui contient au moins un atome de carbone. يعني هي المادة اللي كتكون كتكون على الأقل ذره واحدة ديال الكربون كتكون على الأقل من ذره واحدة ديال الكربون في مثلا لي بروتيد لي ليبيد لي غلوسيد لي زاسيد نوكلييك هادو سوسون دي سوبستونس أورغانيك لي بروتيد لي بروتيد هما البروتينات كيتكونو من الكربون ليدغوجين لوكسيجين أو لازوت أه... ان اونصومبل ديال <سؤال> لي زاسيد اميني واحد المجموعه ديال الاحماض الامينيه كيكونوا لنا واحد لو بولي يعني ملي كيكونوا عندنا 10 ديال الاحماض الامينيه حتى من عشرة حتى دو بولي بروتين غير يعني من عشرة الاحماض الامينيه حتى ل ملي عندنا او دو اميني يعني اكثر من ميه اسيد اميني كنوليو كنهضروا في الحاله على بروتين C'est euh, normalement une euh, un protéine, raha a des acides aminés. désacid aminé. Il n'est est ce protéine, alors que il que polypeptide. pour voir les lipides. Les lipides sont des corps gras. Ce qui est trouve bien sûr, soit en gouttelette à l'intérieur du cytoplasme, soit on la un une gouttelette, en d'eau, une petite masse cytoplasme, soit invisible, on la d'autres molécules, les molécules de protéines. les glucides les glucides, les sucres, ou les sucres comme on le sait ramcon de carbone l'atome de carbone ou par la suite qui proviennent les acides nucléiques c'est à dire l'ADN et l'ARN ou les substances organiques pour les substances inorganiques nous humains les substances inorganiques les substances minérales el mais qui qu'est-ce qu'on fait atome de carbone fhal l'eau H2O, euh, qui représentent ou les composés minéraux ou les sels minéraux les les oligo éléments chlorure de sodium chlorure de potassium chlorure de magnésium les différents les différents euh, composés ou là, les différentes substances inorganiques qui peuvent une cellule Rien ne chauffe en détail, mais mes chiffres de la vidéo. Rien dire deux autres vidéos même chapitre. je vais nous les molécules organiques. On va détailler un petit peu les glucides, les lipides, euh, les protéines, les acides nucléiques, tout. Ou par la suite, euh, je vais, raj vais, raj vais rajouter une autre vidéo, pardon, euh, pour euh, les substances inorganiques, c'est-à-dire l'eau et les substances euh, minérales, les composés minéraux. Les composés minéraux. Et donc, elle euh, dit qu'une introduction à ce chapitre. Euh, bon courage. C'est la vidéo, j'ya,